Waouh! Eh frérot, je peux jouer avec toi? Non, va-t'en! Mais pourquoi? Toi et Pomni, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Pardon? Miss Delight, occupe-toi d'elle. Ah! C'est pas juste! Je veux quelqu'un avec qui jouer. Ah! Aou! T'es qui, toi? Tout va bien, je suis Pomni. T'es en sécurité avec moi. Pourquoi tu pleures? C'est à cause de mon frère. Loseuse! Toi-même! Hé, hey, t'es pas gentille! Oublie-le. Une aventure nous attend. Regarde! On va fabriquer notre propre maison. Doucement! La sécurité avant tout. Maintenant, on peut se lancer dans la construction. Le plus important, c'est les yeux. Bien vu! On met les yeux à leur place. On va faire des pupilles avec des ballons. Une pour toi, une pour moi. Bon sang, donne-moi ça! C'est rien, je m'en occupe. Où est le ballon? Oh, Josie! Tu vas bien? Les gars, lâchez vos likes pour aider Josie à sortir de son ballon. Oui, les gars! Likez cette vidéo! Une ventouse? Je vais essayer. Ça marche pas! Faut plus de likes! Vite! Une épée? C'est un peu mieux. J'espère que ça va marcher. On est vraiment obligés? Non, non, non! Oh, ça sert à rien! Les gars, on a besoin de plus de likes! Ouais, merci! Un trident, ça fera l'affaire. Ah, c'est la fin! Je vais te sortir de là. Ouh, ça a marché. Pomni, je t'en dois une. Et vous aussi, les gars. Laisse-moi faire. Je vais m'occuper des ballons. Je vais dessiner des pupilles. Du bleu, maintenant. Voilà, pas mal! Je me dis que mon maquillage aurait besoin d'être retouché. Je vais m'occuper de mes cils. Mais oui! La maison Pomni a aussi besoin de cils. Je vais les fabriquer avec du carton. Et je les peins en noir. Il ne me reste plus qu'à coller tout ensemble et les fixer. Ce mascara suffira pas. Il me faut une brosse plus grosse. Parfait! Bon travail! On a terminé la première étape! Vous m'avez pas vu venir, hein? Je suis là! Je vais modifier un peu vos plans. J'aime beaucoup plus cette idée. On se moque d'une tête de Pomni alors qu'on peut faire Kane! Ah! Je t'avais pas vu! Rends-nous notre plan, tout de suite! On va voir si tu peux l'attraper. Pomni! Hey, Kane! Surprise! Waouh! C'était épique! Il l'a bien cherché. Ça, c'est à nous. J'ai le plan. Super! Kane! Non, stop! Il s'est encore enfui. C'est pas encore fini, Kane. Josie, où est le plan? Raccroche-le au mur. Waouh! Doucement, vilaine fille! Tu peux m'aider? Pas de problème! Allez, on soulève! Terminé! Pas vraiment. Et les pompons? Maintenant, c'est terminé! Le chapeau, c'est fait! Les pompons sont tellement moelleux! J'ai une idée! On peut faire une houppette avec un pompon. Du blush sur une joue. Et sur l'autre. Et voilà! Oh non, mais pourquoi quelqu'un arracherait un pompon? Josie? Je voulais pas. Bon, on va arranger ça. Je vais faire de nouveaux pompons. Encore mieux que cela. Puisqu'ils vont briller. Allumez-vous! Je comprends pas. Pourquoi ça marche pas?
Les câbles sont coupés. La piste me mène à la porte. Ok, je vais m'occuper de ça dans une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'inquiétude, j'ai presque terminé. D'accord. J'ai le câble. Tu vas le regretter. Boost! Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Je vais relier les câbles et les allumer. Ça marche! On a réussi! On a terminé les pompons. Mon sourire va s'illuminer. Tada! Je vais ajouter des dents tordues. Pommy va péter un plomb. Je vais mettre des crocs pointus aussi. Ça devrait lui faire peur. Pommy? Waouh! Fais plus jamais ça! C'est une blague, détends-toi. C'est marrant, hein? Pas du tout. On veut pas de crocs, mais des dents normales, comme les miennes. Maintenant, c'est mieux. On peut cocher la case. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois trouver quelque chose. Pas ça. Voilà, ça. Je vais découper le tissu. Dessiner des lèvres sur du carton. D'ailleurs, je devrais me maquiller les lèvres. Et moi alors? J'ai quelque chose pour toi aussi. Du rouge à lèvres pour enfants. Merci. Waouh. Encore une case de cocher. Oh là là, c'est épuisant de construire. Tu devrais faire une sieste. Installe-toi. Tiens, ton doudou. Je vais te lire une histoire pour dormir. Il était une fois le bébé Pomni qui partit à l'aventure. J'ai vraiment sommeil étrangement. J'espère qu'il est là. Mon pantalon! Enfin! Où est ma veste? Oh non, elle est en morceaux! Waouh! Oups, je voudrais pas vous déranger. Imbécile! Tu réveilleras personne aujourd'hui. Et voilà! Génial! Plus rien ne m'empêchera de me débarrasser de son doudou stupide. C'est quoi ce bruit? J'ai besoin d'un compresseur. Pour détruire tous ces jouets! C'est parti! Non, non! Fais pas ça! Comment je vais me lever sans réveiller Josie? Fais dodo, bébé! Kane, t'es allé trop loin cette fois! Prends ça! Oh, combien de temps j'ai dormi? Hey, t'as bien dormi? J'ai ta peluche? Une couverture? Je sais quoi en faire! Ça va être les cheveux de Pomni! Encore une case à cocher! De mon côté, je vais faire quelque chose avec de la mousse et du tissu. Un col! On a terminé la dernière étape! Oups! Qu'est-ce que c'est? Un autre plan? Mais oui! Surprise! Waouh! T'es prête? Carrément! Regarde! Comment une boîte a atterri là-dedans? Y'a quoi dedans? Une chauve-souris! Ça fait peur! C'est clair, j'ai peur des chauves-souris! Laisse-moi tranquille! Envole-toi loin d'ici! Qu'est-ce que c'est que ça? Oust! Va-t'en! Ah ouais, elle m'a mordu!
Vilaine bête! C'est des crocs, ça? Je me vois plus dans le miroir! Pommy, j'arrive! Des guirlandes! Un nouveau sac? Et voilà! Fabuleux! Je vais décorer un peu mieux l'entrée. Une table de chevet ici. Et une plante juste là. Notre maison est terminée. Maintenant, on peut manger. Bon appétit! Les biscuits au chocolat, c'est mes préférés. J'adore ça! J'ai plus vraiment envie de manger. Miam! Regarde ta tête! Bah quoi? Et si on ajoutait un toboggan? Bien vu! Je vais enfin me venger de vous pour tout ce que vous m'avez fait! What? Cours! Il s'est transformé en vampire! Vous ne m'échapperez pas! Qu'est-ce qu'on peut faire? De l'ail! Y'a rien de pire que l'ail! Ow! Oh non, on doit sortir d'ici! Où mène cette porte? C'est la seule sortie! Ha ha ha, je te tiens! Cette entrée est réservée aux vampires. Alors qu'est-ce que je fais? Un plan de métamorphose de vampire! Au travail! Voilà! À mon avis, on peut pas être un vampire sans un bon maquillage. C'est pas ça qu'il me faut. C'est pas assez dark. Je découpe des chauves-souris. Et je décore tout mon maquillage avec. Comme ça! On se croirait dans un repère de vampire. Je vais m'inspirer sur le net des make-up de vampire. Non! Pas ça! Ça par contre, c'est grave mon style! C'est parti! Waouh! Cool! Oh, ouais! J'adore! Mignon! Mouais! Je suis trop fan! Waouh! Fabuleux! Voilà, j'ai fini le maquillage. Aouh! Ces crocs sont sacrément acérés. J'ai hâte de les essayer. Je te tiens! Hein? C'est une morsure de vampire? Super, j'ai des crocs maintenant! Merci, Kane! Ces crocs sont nickel. Mais je peux encore les rendre plus canons. Et si je les faisais briller? Mouais. Oh, t'y connais rien. C'est parti. Un strass par-ci et par-là. Pas mal, non? Ouais. Terminé. Tu penses quoi de mes crocs? Incroyable, non? Oups. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais y aller. Bye. Bye. Il pourrait y avoir littéralement n'importe quoi derrière cette porte. Je sais! Ça va être la porte d'un magasin de vêtements aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il ouvre. Bienvenue! Hey! On en a pour tous les goûts ici. Trop lavande. Trop poilu. C'est parfait! Waouh! Cette ceinture est pile ce qu'il faut. Tu payes comment? Payé? Ah! Oh, pas besoin! Pitié! Pitié de moi! Je suis un vampire pro, tu sais. Hey, les gars! C'est un mauvais exemple. Payez toujours pour vos achats, les gars. Merci! De rien. J'ai hâte d'essayer ça. Ce t-shirt est trop basique.
Je vais l'améliorer un peu. Je prends de la peinture et j'en mets sur ma main. Ensuite, je fais une empreinte sur le t-shirt. Rouge et bleu. J'applique de la peinture jaune à l'aide d'une brosse à dents. Et on passe à l'essayage. Fabuleux. Waouh, qui est là? Où j'ai atterri? Un cambrioleur! Zoubal vient me donner un coup de main. Toi, t'approches pas. Tu penses quoi de ça, hein? Oh, c'est tout? Aouh! Va-t'en! Fais gaffe! Catnap, sauve-moi! Arrête-toi, cambrioleur! Quoi? Le type est là, je l'ai assommé! Chut! On va mettre un réveil. Waouh! Je vais pas me laisser faire! Vivement que ça se termine! Défends-toi, l'araignée! Rends-toi, loser! Merci, l'araignée! Merci! Comment je peux te rendre l'appareil? Je vais prendre ça! Ok, je m'occupe de ce voyou! Enfin! Je vais devoir changer de chaussures aussi! Adieu les vieux chaussons! Il est temps d'en enfiler d'autres! Génial! Oh! Combattre les cambrioleurs, c'est épuisant, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sac. Je vais l'utiliser. Je le coupe. Je joins les bretelles. Des boutons jaunes iront à merveille dessus. J'aime bien, mais il y a quelque chose qui cloche. Je vais regarder dans le placard. Trop long. Je vais me dépêcher. Huggy Wuggy? Non. Catnap? Toujours pas. Kofmo? Ah! Hein? Ragata, c'est pas l'heure de faire des blagues. Maintenant, ma tenue est au top. Wow! Une coche de plus à rayer. Les cheveux, c'est la prochaine étape du plan. C'est parti! Que dit le dé? Mercredi? Ok. 1, 2, 3, 4. C'est une mauvaise idée, finalement. Je vais relancer le dé. Pikachu? Intéressant. Pikachu? Pika, pika! Attaque éclair! À toi de jouer le dé! Ah, c'est beaucoup mieux! Eh oh, arrête! Reviens là! Ragata, tu recommences? J'en ai assez! Oh! T'as raison, c'est plutôt marrant! Oups, désolé. Je ferais mieux de faire quelque chose d'utile, comme bricoler de nouvelles épingles à cheveux. Je détourne le patron. Je découpe. Je colle. J'ajoute un bord. Et des pompons. Puis, je la colle à une épingle à cheveux. Voilà! Pauvre Ragata! J'ai aussi une épingle à cheveux pour toi. Les cheveux, c'est fait! Pour la prochaine étape, je vais devoir boire du sang. Du soda, ça va pas le faire. Tu vas enfin m'être utile, Ragata! Mauvaise idée! Désolée! Et comme ça? Non, ça va trop loin. Je sais!
Du jus de tomate devrait faire l'affaire. Personne ne le saura de toute façon. Une étape de plus de terminée. La prochaine tâche, c'est les lentilles. Voilà, j'ai trop géré. Me transformer en chauve-souris? Comment je suis censée faire ça? Je vais essayer de décoller. Non. Et si je saute d'un meuble? J'ai trop peur. Mais je ne reculerai devant rien. Ah, oh, ça fait trop mal! C'est comme ça que je vais me transformer en chauve-souris. Méfiez-vous, les criminels! Non, laisse tomber. Je raye ça. Hey! Hi there. La fête des vampires était géniale. Je me suis éclatée. Jette un coup d'œil. Ces gars sont de sacrés fêtards, t'as vu? Ça donne trop envie, c'est clair. Je vais à une fête, moi aussi. Agatha, tu chilles sur le canap? Pouf, moi aussi j'ai besoin d'une pause, c'est épuisant de faire la fête. Oh, vous êtes adorable. Je dois y aller. Oups! Le sac, ça m'est sorti de la tête. Pourquoi j'ai oublié? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais. Mon sac à main va être unique. Un dernier point de complété. On voit pas mon reflet dans le miroir? Ce qui veut dire que je peux aller à la fête. Salut les gars! Wouah, t'es magnifique! Ça a pas servi à rien. Hein? Hé hey, les gars, approchez. Quelqu'un veut faire un TikTok avec moi? Salut toi! Professeur Archibald? Bien sûr! Tout le monde est prêt? C'est parti! Hein? Qui a laissé entrer une bouseuse ici? Je suis la nouvelle. Je peux sentir la pauvreté sur toi à des kilomètres. C'est inacceptable. Tu t'es trompée de porte, gamine. Dehors. Non, j'ai un certificat. Bon bah, bienvenue. Beurk, ça pue la pauvreté ici. Tiens, il me faut un masque de luxe en billet. Je peux pas risquer de respirer toute cette pauvreté. Salut la nouvelle. Oh, hey, t'es canon. Quoi? Te fais pas d'idée, c'est mon petit copain. Oh, j'en avais aucune idée. Hey, petit copain, il est à moi. Alors dans tes rêves. Votre attention. Qui veut résoudre l'exercice au tableau? Quelqu'un? Oh, les gars, vous pourriez le faire peut-être. Donnez votre réponse dans les commentaires. On dirait qu'il n'y a pas de volontaire. C'est bon, je sais. Professeur, j'ai terminé. Voilà ma réponse. Quoi? C'est correct. Oh, merci. Attends, je vais te donner ta note. Elle est un peu poussiéreuse. Bravo! À plus! Merci! Oh là là, crâneuse! Oh, c'est faux comme d'habitude! Tu mérites clairement un F! Quoi? Désolée, frimeuse! Moi? Le titre de meilleur élève revient désormais à Blair! Sauvé par le gong! Bye! T'es fichu, espèce de minable! Fini de jouer! Non! Faites pas ça, attendez! Qu'est-ce que vous faites? Oh non! Oh non! Oups! T'es en vie, le rat? C'est une blague, j'espère! Tu sais quoi? Ce style te va super bien! Blair, attends! Nettoie ton visage. Avec des billets? Merci.
Huggy, tu dois choisir ton camp. C'est horrible. Je les déteste. Blair! Va-t'en. Qu'est-ce que c'est que ça? Oups! Ta chambre est prête. Oh, merci, professeur. Tu pourrais m'aider? Merci beaucoup. Je t'en prie. Venez! Où je dois aller? Tout droit et à gauche. La voilà! Tiens ta clé! Et ta porte. Dana et Grace sont tes colocs. Merci beaucoup. Quoi? Toi? Je suis votre nouvelle coloc. Non, chérie. Burk! Ton lit est là-bas. On dirait la pauvreté en personne. Bon sang, c'est mon lit! Le tien, c'est celui-là. T'as vu ces valises? Aïe! La loose! Faut que je range tout ça. Est-ce qu'elle fait vraiment le ménage, là? J'adore mes parents. Ce lit a l'air confortable. Ah, mon dos! Un coup de main? T'as pas intérêt. C'est quoi ton problème? Loseuse! Rigole! Hey! Oh, hey! Regarde! Quoi? Tu veux aller voir un film avec moi? Wow. Ouais, carrément! On y va! Qui va nettoyer tout ça, hein? Cette plouque est notre Huggy? T'es fichu, Blair! Huggy, toi aussi t'es fichu! Bienvenue! Quel film tu veux voir? Celui-là! Génial! Attends! Du popcorn? Un seul popcorn, s'il te plaît! Ah ouais, bien sûr! Tiens! Bon film! Oh, merci! Huggy, t'es vraiment trop mignon! Oh non! Jette ça! C'est trop dégueu! Tiens nos places! Non! Je peux pas vous laisser passer! Pourquoi pas? C'est interdit de se tenir la main! Très bien, c'est combien la montre? Je veux pas de ton argent! C'est quoi le problème? Vous êtes tous les deux tricards, bye! Super, on se tire d'ici alors! Ça a marché! C'est ta chambre. On y est! Ça a été une super soirée. Oh, non! Attends, tu veux bien m'aider? L'examen final? Tu voulais profiter de moi? T'abuses! Ouais, mais non! C'est pas ce que tu crois! Oh non! Huggy tombera jamais amoureux d'une fille comme moi! Je dois agir au plus vite. La vache, mon maquillage a bien 100 ans. Wow. Mes colocs ont du maquillage super mignon. C'est trop bien. Est-ce que je devrais leur emprunter? Non. Prendre les affaires des autres, c'est pas bien. Ah, je dois trouver autre chose. Je sais. L'argent que Huggy m'a donné. Mais ça suffit pas. Heureusement, je sais où en trouver ailleurs. Personne regarde? Ça fait beaucoup d'argent, ça. Pas mal, mais non. Un billet en or. Oh, l'aspirateur.
Je vais garder ce qu'il y a dedans puisque personne n'en a besoin. Il y a une fortune là-dedans. Trop cool. L'air? T'inquiète pas, c'est moi. Désolée, professeur. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie le couloir. J'ai terminé. Bye. L'aspirateur était même pas branché. Oh, je vais tout prendre. Et ça aussi. Garde un œil sur elle. Je prends ça aussi. On choisit ce qui est le plus cher, hein? Ouais, voilà. Voyons voir. C'est vraiment cher tout ça. Tiens, je paye en cash. Oh, vraiment? Merci pour tes achats chez nous. Waouh! Bye! Je suis prête. Au travail. Oh, je vois rien. Tout d'abord, je vais me démaquiller. Ensuite, on va faire mon nouveau maquillage. Du fard à joues. De l'ombre à paupières. Beaucoup de mascara. Et un brillant à lèvres éclatant. Maintenant, je vais me coiffer. Je vais lisser mes cheveux pour une fois. Et mettre un nœud dedans. Quoi? T'es qui, toi? T'es super jolie! Oh, salut les filles! Ça suffit! Waouh, t'es canon! Tes boucles d'oreilles! Beaucoup mieux que notre ancienne coloc complètement minable. D'ailleurs, elle est où? Je suis pas sûre. Elle vit plus ici. C'est moi maintenant. La vache! Oh non, c'est l'examen de fin d'année. On doit y aller. Excusez-nous, professeur. Pourquoi êtes-vous en retard? L'examen commence. Oh, salut Grace. Bye, Huggy. Vous êtes prêts, bande de petits génies? Allez-y. C'est fastoche? Je connais toutes les réponses. J'ai terminé. Il reste encore beaucoup de temps. C'est dingue! On dirait qu'ils ont besoin d'aide. Hé, Dana! Tu veux les réponses? Merci. Grace, tu veux copier? Waouh, merci! Huggy, t'as besoin des réponses? Qu'est-ce que c'est? Retourne la feuille! Oh, merci! Stop! Posez vos stylos! Rendez-moi vos copies. Tenez, professeur. Voyons voir. J'arrive pas à le croire. Waouh! C'est correct. Vous avez réussi. Félicitations. C'est le plus beau jour de ma carrière. Ouais, ça a marché. Maintenant, vous êtes tous les meilleurs élèves. Je suis tellement fière de vous. Au revoir, professeur. Merci, tu nous as trop sauvés. Dégagez. Hé, ma belle. Tu veux voir un tour de magie? Cette rose est pour toi. Non, je veux rien de ta part. T'es qu'un loser maintenant. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. Salut les gars. Au secours, je vois rien. C'est qui elle? Oh, je crois que je devrais y aller. J'ai hâte que la récré soit terminée. Oh, mes livres! Super vidéo. Les jumelles les plus populaires de l'école? Je suis votre plus grande fan. Tiens, un autographe. Ça nous dérange pas, tu sais. Oh, c'est trop gentil de votre part. Hé, hey, Frangine, regarde. Les autographes des jumelles. Y a pas de quoi s'emballer. Regarde un peu ça. Elle se moque de toi. C'est abusé. Je suis plus votre fan, c'est terminé.
Maintenant, on est ennemis. Je vais me débarrasser de tout ce qui a un rapport avec elle. Aucune pitié. Stop ! On peut être tout aussi populaire qu'elle. Ça pourrait marcher, tu sais ? Je sais par où commencer. J'ai un vieux livre de conseils pour devenir populaire. Il appartenait à notre arrière-grand-mère. J'ai une meilleure idée. On va chercher sur Internet. Je tape ma requête et je lance la recherche. Salut les amis ! Aujourd'hui, on va vous expliquer comment vous maquiller correctement. On commence par le nettoyant. Le secret, c'est d'appliquer du liquide nettoyant sur un coton, de souffler dessus et de le frotter sur le visage. Ça vaut le coup d'essayer ? Pas question, c'est une arnaque. Ça marche, regarde ! Ok, je vais essayer. C'est trop cool ! Oh, Karen, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Comment ça ? Ton nez ? Bah quoi, mon nez ? Il y a des vilains poils qui en sortent. Je sais comment m'en débarrasser. Non ! Si ! Je m'en occupe. Merci de me l'avoir fait remarquer. Bon, allez, je te filme. 1, 2, 3. J'ai des boutons partout. Mais je vais m'en charger. Attends, il existe un outil spécial pour ça. Fais-moi confiance. Je vais les enlever en un rien de temps. Waouh, tous les boutons ont disparu. Mais il reste des marques rouges. Et pour ça, on a un masque spécial. On mélange les ingrédients et on secoue bien. Et maintenant, on applique le masque sur ton visage à l'aide d'une spatule. On va lancer le minuteur. Encore combien de temps ? Le temps est écoulé. Enlève ton masque. Fastoche. Waouh ! L'effet est immédiat. Les patchs contre l'acné devraient aussi bien fonctionner sur toi. Tous tes boutons vont s'envoler en un claquement de doigts. On enlève. Waouh ! Ça a marché ! Je peux arrêter la vidéo. Oups, il y a eu un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai posté la vidéo sur TikTok sans faire attention. Sérieusement ? Claire, faut trop que tu vois ces loseuses en train de faire des TikTok. Un emoji des jumelles. Elles ont adoré notre vidéo. Ou alors, elles se moquent encore de nous. Pour qui elles se prennent ? Mais Karen, tes mains, c'est une horreur ! On va appliquer de la lotion et les tremper dans un bain de paraffine. Ensuite, on enlève la cire durcie. Waouh, la peau de tes mains est parfaite! Le résultat est époustouflant. Caroline, tes lèvres! Elles sont un peu gercées. Mais c'est pas grave. J'ai juste besoin de miel et de sucre. Compris, on va prendre le thé. Mais non, c'est pour tes lèvres. Je vais mélanger du miel avec du sucre pour faire un super gommage pour tes lèvres. On la pique dessus et le tour est joué. J'adore. On va faire un selfie. Regarde l'objectif et... souris. Non mais t'es un panda ou quoi? Pourquoi tes cernes sont si foncées? Ce jus de concombre surgelé est dans le frigo depuis une éternité. Il va enfin être utile. Il devrait s'occuper de tes cernes en rien de temps. La glace, ça tonifie et c'est hyper rafraîchissant. Tes cernes ont disparu. Un message ? On passe un examen aujourd'hui. Faut pas qu'on soit en retard. Coucou. Caroline, t'es superbe. Quelle métamorphose, regardez-moi ça. Merci. Karen, viens. On a réussi. C'est incroyable. Bonjour tout le monde. Elle a de la salade coincée entre les dents. On ne ricane pas. Tout ça n'a servi à rien. C'est quoi le plan maintenant? Oh non, les jumelles se sont encore moquées de nous. On sera jamais populaire. Allez, t'as qu'à juste brosser les dents. Ça suffira pas. Attends, cette brosse devrait faire l'affaire. Non, non et non. Elles s'en sortent plutôt bien. Je vais leur lâcher un like. Non mais t'es folle!
C'est des loseuses, t'as pas intérêt à faire ça. Bon, très bien. Dans ce cas-là, on va utiliser des bandes blanchissantes. Mes dents sont blanches comme neige, j'adore! Faut que t'enlèves la bande. Hein? L'enlever? Ah, je comprends mieux maintenant. Mes yeux! Tu m'as aveuglée avec tes dents. Désolée. Oups. Oh, j'ai eu chaud. Tes cheveux? Tu devrais peut-être les laver. T'as des pellicules. Ouais, je sais, c'est la cata. T'inquiète, on va s'en charger. J'ai un masque pour les cheveux et un gommage. On applique le masque et on le mâche bien sur la tête. Ensuite, on met le gommage sur le cuir chevelu pour ne laisser aucune chance aux pellicules. Frotte bien fort. Nos cheveux sont trop beaux. On va lancer un direct et se pouponner devant la caméra. Voyons voir les trésors qu'il y a dans notre trousse à maquillage. Il y en a des tonnes. Je meurs d'envie de tester tout ça. On va commencer par la base. À l'aide d'une éponge, on applique uniformément le fond de teint. Waouh, sympa cette vidéo! J'adore! C'est pas si terrible. Le fond de teint est posé. On va maintenant passer à l'anti-cerne. Souligne les pommettes, le front, agrandis les lèvres, souligne le nez et on blende. Terminé! L'étape suivante, c'est le contouring. Définis les pommettes et le front. Ensuite, le blush. Sur les pommettes et le bout du nez. Nickel. Génial! Applique des paillettes sur les paupières. Et des ombres colorées. On va passer aux cils. Détourne les lèvres. Et il ne reste plus qu'à ajouter du gloss. Et voilà! Fabuleux! Non, pas du tout. Je veux tout pareil. Marie, arrête ça tout de suite! Ce gadget va nous aider à faire des boucles parfaites. Oh, waouh! Waouh, trop hâte d'essayer! Ma mèche toute lisse est devenue une boucle magnifique. C'est canon! Wow. À ton tour! Oh. C'est dingue! Oups, il y a eu un petit souci. Le gadget s'est cassé. Mes cheveux! C'est horrible! J'ai une meilleure idée. On a besoin de la ceinture d'un peignoir. Et on va la mouiller pour te faire des boucles. Ça marche! C'est parti! On enroule les mèches autour. Et il n'y a plus qu'à attendre. Oh, ça a marché! Mais nos fringues, par contre, il faut qu'on change. Je sais, on va commander des trucs en ligne. Ouais, bonne idée! Commander! Je veux ça aussi. Oups, comment on annule? Bon, c'est pas grave. On va se faire livrer quelque chose au moins. C'est déjà le livreur? Trop rapide! Votre commande est arrivée! Quelle grosse boîte! Salut! Ouais, on livre des trucs pour se faire de l'argent. Les jumelles populaires bossent en tant que livreuses? Tout le monde doit savoir ça! Caroline, arrête! Faut pas qu'on ait de rancœur. Bon, d'accord. On fait la paix? La paix. On va vous aider à trouver les tenues parfaites. Commencez par ça. Je suis pas trop sûre. Ça peut-être? Non merci. Et ça alors? Oh, super choix! Ça vous va trop bien. Carrément! Vous avez clairement atteint votre but en devenant les filles les plus sexy de l'université. Le cours a commencé il y a déjà un moment. On doit y aller. Qui obtiendra le titre de reine jumelle cette année? Ouais! Ce sera nous, les reines de l'université. Les gagnantes remporteront un voyage. Karen, faut trop qu'on participe. C'est débile. Mais il y a un voyage à la clé. On est partantes. J'ai une idée. Grave, j'arrive. Chut, dis rien. On doit choisir de belles tenues. Top là! Le cours est terminé.
Vous pouvez y aller. Wouhou! Faites attention! On doit filer. Oh, c'est elle! Y a aucune chance qu'elle gagne. Envoyez! Un texto? On va gagner! Nous, on va gagner! Dans vos rêves, bande de loseuses! Comment osez-vous nous menacer? Je vais retoucher mon maquillage. Y a quelqu'un à la porte? Un piment en guise de rouge à lèvres. Chut! Claire va avoir une sacrée surprise. Ah, enfin! Mon rouge à lèvres. Il sent bizarre. C'est du piment! Ça brûle! Qu'est-ce qui s'est passé? Ces méchantes filles ont mis du piment dans mon rouge à lèvres! Tu sais quoi, ça rend plutôt pas mal! Tu trouves? Si tu le dis alors, je vais aussi retoucher mon maquillage. C'est bizarre! Tout est collé à la table! On est au courant de rien. Waouh! Elles ont collé mon maquillage à la table. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va m'arrêter. Blush. Rouge à lèvres. Mascara. Terminé. La belle affaire, tiens. T'es prête? On va faire une vidéo TikTok comme on a répété. 1, 2, 3, 4 et un cœur. C'est un jeu d'enfant, on peut faire pareil. On va regarder les nouveautés. Waouh, notre TikTok est devenu viral. C'est qui ça? Nos vilaines colocs. Aucun like, loseuse. Mets des affiches de ce côté. Moi, j'en mets de l'autre. Okay. D'accord. On change. C'est bon. Et la dernière ici. Bien joué. On va aller se préparer. Wow. Leurs affiches sont partout. J'ai une idée. On découpe et colle soigneusement nos têtes. Elles sont encore mieux que l'original. Vous êtes trop cool. Je voterai pour vous. C'est vraiment gentil de ta part. Notre plan a marché. Waouh, elle est là. La couronne. Elle est à couper le souffle. Hey, bats les pattes, c'est notre couronne. Oh, elle est trop chou. Oh non, c'est notre couronne. Pas de plume dessus. Désolée de vous interrompre, mais la gagnante recevra la couronne après la compète. Elle reste là pour l'instant. C'est pas juste. Mais qu'est-ce qu'elles font là? On vient acheter des robes. Nous aussi. C'est ma robe! Les filles, pas de bagarre! Celle qui rentrera dans la robe pourra la voir! Très bien! Dans la cabine d'essayage! Quelle vulgarité! Je crois pas que ce soit ma taille! Je suis pas très fan! Trop naze! Je crois pas que ça vous aille vraiment! Voyons de quoi vous avez l'air! C'est la cata! La robe est trop petite! Non, c'est un non catégorique! On avait remarqué, hein, merci! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Oh, je sais! Les filles, tenez, c'est pour vous! Vous allez certainement rentrer dans celle-là! Bon ben, on espère! Et pour vous! Merci! On a eu plein de votes! Génial! Maintenant, on va aller s'habiller. Avec ces robes magnifiques, on est sûr de gagner. J'ai trop hâte. T'as vu ça? Il y a plein de votes. Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? On va vider cette boîte. Oups. Une petite photo souvenir. Maintenant, on peut y aller. Hey! Vous réjouissez pas trop vite. Tenez, regardez.
Votre urne est vide. C'est pas possible! Va voir, ça a marché, ouais! Elle est vide! Vite, on doit tout ramasser! Sors les robes! J'ai oublié les robes, zut! Utilise ton imagination! Je sais, on va mettre les robes de nos rivales! Wow. Elles nous vont comme un gant! Wow. Bien joué! La compétition est lancée! On a presque tout ramassé! Dépêche! C'est bon! On peut changer! On est en retard! Hein? Où sont passées nos robes?